Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus, notre Rédempteur. Je voudrais lire Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, versets 28, 29 et 30. Marc chapitre 12, versets 28, 29 et 30. Voici la parole du Seigneur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, il s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée, et de toute ta force. Amen. » La Bible d'Arby de dire de son côté, le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. » Qui devons-nous adorer? Nous sommes dans la seconde partie de cette pensée. En prenant ou en écoutant Jésus parler, il est évident qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Et c'est le plus grand de tous les commandements selon ce que Jésus a répondu à ce pharisien. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. S'il est l'unique Seigneur, ça veut dire que l'adoration ne va qu'à lui seul. Et nous devons l'aimer, notre Dieu, de tout notre cœur, l'adorer de tout notre cœur, l'adorer de toute notre âme, l'adorer de toute notre pensée, l'adorer de toute notre force. Lorsque l'Éternel envoie un messager, comme il avait envoyé Gabriel vers Marie, Marie ne peut pas se mettre à adorer Gabriel. Comme il avait envoyé Gabriel vers Zacharie dans le temple, Zacharie, le futur papa du prophète Jean-Baptiste, Zacharie ne peut pas adorer l'ange. Et nous avons une scène dans Juges chapitre 13 qui nous peint un tableau comme celui-là, où l'ange apparaît à Manoac finalement, car sa femme était allée le chercher pour qu'il vienne parler avec cet homme éclatant. Et Manoac s'approche et demande si c'est l'homme qui avait parlé avec sa femme dernièrement. L'inconnu dit, oui, c'est bien moi. Il dit, pouvez-vous répéter le message? Il répète le message. Puis il dit, je vais chercher une offrande et tout, je vais offrir, et je viens te l'offrir. Le ange regarde Manoac qui dit, je suis là, je ne bouge pas. Tu m'as dit de ne pas bouger, je ne bougerai pas, je suis là. Mais l'offrande que tu vas chercher, que tu veux me l'offrir à moi, sache que je refuse cette offrande. Mais par contre, offre-la à l'Éternel Dieu. Oh, gloire. Offre-la à l'Éternel Dieu.
l'ange debout devant Manoac et son épouse. L'ange entend Manoac qui dit qu'il va lui offrir un holocauste. Et l'ange dit à Manoac, tu m'as dit de rester debout, je suis ici. Mais l'holocauste offre ça à l'Éternel, pas à moi. Un véritable messager qui vient du ciel. Un véritable serviteur qui vient de Dieu. Un véritable prédicateur qui est connecté au ciel. Un véritable pasteur, apôtre et que sais-je. Ne va jamais accepter que l'Église puisse l'élever et l'adorer au point d'arracher l'adoration à Jésus-Christ pour la balancer en direction à l'homme de Dieu. Un véritable oint de l'Éternel connecté au ciel ne va jamais accepter le culte de l'idolâtrie ou de l'adoration de sa personne. Faisons attention. Il est si facile de basculer dans l'idolâtrie. Il est si facile de mettre Jésus de côté avec les tromperies de l'ennemi et de mettre quelqu'un d'autre à la place de Jésus, à la première place de votre vie ou de votre christianisme. Un ange authentique, véritable, un messager authentique et véritable qui vient de la part de l'Éternel n'acceptera jamais l'adoration à sa personne. Jamais. Tenez-vous le pourtir par la révélation du Saint-Esprit. Prions. Seigneur Jésus, je te confie ton peuple, je te confie tes enfants et je le bénis au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Sachant, ô Dieu, combien ton peuple nécessite. Oui, Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Manifeste ta grâce, ta bénédiction divine et surnaturelle. Aie pitié de ton peuple, Père Saint. Aide-nous à avancer, à continuer à persévérer, Seigneur Jésus, dans la prière, pour que nos vies, éternelles d'Israël, te soient agréables. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, béni sois-tu, Père Saint. Amen.